Bonjour, vous venez de recevoir la troisième e-news WebScan, celle du mois de mars, et on a essayé de s'adapter toujours à l'actualité. Mais pour nous aider à progresser, nous vous invitons à entrer en contact avec nous et nous dire s'il y a des sujets que vous souhaitez voir abordés, s'il y a des manques, s'il y a un outil supplémentaire qu'on peut mettre à votre disposition pour avoir plus de renseignements et plus d'informations pour bien jouer votre rôle de représentant du personnel. Par exemple, vous pouvez dès aujourd'hui, via l'adresse WebScran, info@webscran.com, poser vos questions à nos intervenants et nous ferons de notre mieux pour les faire suivre et que vous ayez une réponse. Notre objectif est de vous informer et de vous aider à remplir le mandat qui vous a été confié par les salariés lors des élections. La période est très difficile. On est aujourd'hui, vous êtes certainement touchés, ou j'espère que vous passez à travers aussi, par des plans de sauvegarde de l'emploi. Les procédures sont très précises. Il faut être très au courant et très formé pour savoir comment on peut rendre service aux salariés. N'oubliez pas que votre mandat est avant celui du maire d'une commune, le mandat le plus proche de votre électeur. Donc vous avez certainement des gens qui vous questionnent. Il est intéressant de savoir ce que vous pouvez leur dire, pas leur dire, qu'est-ce que vous avez comme obligation dans les comptes rendus de réunion, comment vous pouvez communiquer, remonter, redescendre les informations, ça c'est très important. Et donc nous vous encourageons à communiquer avec nous, à poser vos questions, nous les passerons à nos experts qui vous répondront directement. Donc n'hésitez pas, si vous voyez des axes d'amélioration, donnez-les nous, vous pouvez les mettre soit sous cette vidéo, et nous en tiendrons compte, soit nous écrire directement, je le répète, info@webscran.com, l'adresse passe ici. Merci beaucoup de votre attention, bonne lecture de cette nouvelle e-news du mois de mars, et on se retrouvera fin avril, fin mai, fin juin, toutes les fins de mois, vous aurez l'e-news WebScran qui collera au mieux à l'actualité et au mieux à ce dont vous avez besoin, pour peu que vous ne le fassiez connaître. Merci beaucoup et à très bientôt.